Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, on a sorti une petite vidéo et d'ailleurs la semaine d'avant aussi sur un ami à moi qui essayait de draguer ma femme. C'est parti un peu en biberine. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on vous met un petit extrait maintenant. Ouais, donc tu es ok, toi tu es sûr de toi, moi je suis sûr de moi. Je vais lui envoyer un message, je vais lui dire dans le talent. Donc là, je vais le piéger. Vas-y, mais je vais récupérer deux affaires, j'arrive. C'est bon, je t'attends. Tu m'attends? Ok. Ça va. Toi, tu fais bien? Je fais bien. T'as un collègue? Maman, ton téléphone. Pourquoi? Maman, ton téléphone, je te dis. Donc par la suite, après cette vidéo, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu le voir parce qu'il m'a dit qu'il voulait s'excuser. Et au terme de la discussion, il s'est excusé certes, mais il voulait que je retire la vidéo. Chose que je n'ai pas fait pour vous parce que c'est mon métier et parce que je voulais pas vous lever cette vidéo qui était plutôt pas mal. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini dans un sale état. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo également, on vous met le lien dans la description et un petit extrait tout de suite. Et où le t-shirt, je t'ai dit. Ça y est, je torse nu. Quoi de plus, je torse. Tu veux quoi là, arrête. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais l'appeler. Je vais lui dire que je supprime la vidéo à condition que lui supprime la sienne. Donc je vais lui donner un coup de téléphone. On va tout filmer encore une fois. J'espère qu'il se doutera pas qu'on le filme. À mon avis, je pense qu'il va capter qu'on le filme. Donc le caméraman, il sera assez loin. Et je vais lui donner rendez-vous aujourd'hui pour qu'on supprime la vidéo tous les deux. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle va bien se passer. Et je vous dis à tout à l'heure pour une éventuelle conclusion. Bisous, à tout à l'heure. Bon les gars, je vais l'appeler et j'espère que ça va bien se passer. Putain, faut qu'il réponde. Oh, allô. Ouais, allô. Ouais. Dis-moi, j'ai un truc à te proposer. Dis-moi. Et tu voulais que je supprime la vidéo de YouTube? Ouais. Ben, si tu veux, je supprime la vidéo de YouTube, mais à condition que tu supprimes la tienne, celle que tu as sur ton téléphone. Ouais, mais comment je peux être sûr que tu la supprimes? Ben, voilà, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que tu es dispo là aujourd'hui? Ouais, je suis dispo là. Ok, tu te rappelles où on se calait, là où il y avait la table de tennis, la table de ping-pong? Ouais, ouais. Voilà, t'as vu là où il y a la table de ping-pong? Ouais, ouais, ouais. Eh ben, je suis là, tu te sens de venir? Mais par contre, je t'explique. Je t'explique, frérot. Ne viens pas avec tes collègues, ne fais pas comme la dernière fois. Sinon, je supprime rien du tout. Voilà. Après, en toute sincérité, la vidéo est faite juste toi. La tienne, qu'on a tournée, enfin, je cours à poil comme une petite. Mm. Que la mienne, au final. Ben c'est pour ça que je t'appelle. J'arrive dans 10 minutes là, je t'attends 10 minutes. Ouais, ça va, vas-y, je t'attends. Bon les gars, j'espère qu'il va supprimer sa vidéo et que tout va bien se passer. Parce que si ça se passe mal, ben ça va se passer mal pour lui. On peut faire mieux, hein, on peut aller mieux. T'as une vidéo? Ben toi, tu l'as ta vidéo? Ouais, je l'ai. Ouais. Si tu l'as, toi. Mais moi elle est sur YouTube frérot, donc moi sur mon compte YouTube je suis connecté à mon compte là, je peux la supprimer quand je veux la vidéo. Moi j'ai mon téléphone aussi. Tu vas voir la vidéo? Supprime le jeune homme, toi d'abord. Elle est sur YouTube frérot, tu es con ou quoi? Elle est sur YouTube, elle est là la vidéo, tu vois bien, regarde. Supprime de ton compte. Attends, je vais pas la supprimer avant que toi tu supprimes la vidéo. Attends, je vais moi, t'inquiète. Comment on fait? Et moi si je supprime ma vidéo, que toi je la supprime pas, on fait quoi? Je te la montre, en fait, juste. Bah, montre-moi là déjà, juste montre-moi là. Donc, tu l'as supprimé en premier? Toi, tu l'as supprimé en premier. Alors, regarde, c'est ce qu'on fait? Il y en a deux sur moi. Ben voilà. Je supprime une, je la supprime. Comme ça, il n'y a plus d'idées sur YouTube. Ça va. On fait comme ça? Ouais. Sûr? Ouais. Je supprime laquelle? La première en premier? La première, ouais. Donc, regarde, je le fais devant toi. D'accord? Tac. Supprimé. La première est supprimée. Je supprime la deuxième. Eh non frérot, on n'a pas dit ça, on a dit supprimer la première, tu supprimes ça. C'est là, après la deuxième. Eh non. Qui me dit qu'après? Mais qui mais... Oh, je la supprime après. Je la vie de ta mère, tu supprimes la vidéo après? Je te jure, je la supprime. La vie de ta mère, je supprime la vidéo. La mère, je la supprime après. La vie de ta mère? Ouais.
Tiens, je fais devant toi aussi. Voilà. C'est bon. Oui, parce que tu as fait ta... Moi, je la supprime pas. Non, par contre, tu vas la supprimer, la vidéo. Non. Tu vas la supprimer. Non. Pourquoi tu fais ça? Tu m'as affiché. Non. Filmé, tu veux dire la caméra? Non, celui qui a fait la... Premier, c'est toi, brancher ma femme. Déjà, je te rappelle. Là, je viens de supprimer la vidéo. S'il te plaît, supprime la vidéo. Oh non, y'a pas moyen. Y'a pas moyen, je te dis. Tu as joué la vie de ta mère juste avant, là? C'est toi qui as commencé. Tu as commencé à mettre tes vidéos sur internet, là. Camoff, pas camoff. Aujourd'hui, je suis venu comme ça. Parce que tu es mon ancien pote. Je voulais que ça s'arrange. Maintenant, s'il te plaît, supprime la vidéo. Non, y'a pas moyen, gros, ça. Dégénéré cette histoire. Je m'en bats les couilles. Donc, vas-y, allez, supprime. Tu vas faire quoi, frérot? Supprime. Tu vas faire quoi, si... Supprime. Je supprime, frérot. Supprime, on va s'embrouiller, frérot. J'ai pas envie de mettre la main dessus. Frérot, la dernière fois, t'as eu besoin de 4 mecs pour venir parce que j'étais seul, pour mettre à poil, me déguiser, pour me filmer. Frérot, t'es une... Vas-y, t'as jamais su rien faire de ta vie, t'es une... Frérot, s'il te plaît, je t'ai toujours aidé, je t'ai toujours protégé, je t'ai toujours... S'il te plaît, donne-moi le téléphone, je vais... Qu'est-ce qui s'est passé? Il serait rien passé. Tu aurais pas branché ma meuf, il serait rien passé non plus. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, en plus... Tu m'as dit que c'est une autre histoire. Prends ton téléphone. Non, je t'ai dit. Tu vas me donner ton téléphone. Tu vois, là, tu me mets dans une position, tu me laisses pas le choix, frère. Non, je m'en bats, je supprimerai. En fait, tu es quand même fils de p*** en fait. Ouais, ça, tu es une fils de... Ouais, tu me laisses pas le choix, frérot. Tu me laisses pas le choix, en fait. Tu me laisses pas le choix. Je suis désolé, tu me laisses pas le choix, frère. Tu me laisses pas le choix. Tu me laisses pas. Tu me laisses pas le choix, gros. T'es qui, toi? Tu le connais pas, lui? Qui? Tu le connais pas? Tu connais mes vidéos, tu vois qui c'est, lui? Tu connais, lui? Tu les connais, ces gens? Tu les connais, frère? Mais dis pas, c'est qui? Tu les connais, ces gens? Maintenant, on fait quoi? On te met à poil? Ah, tu filmes. Je filme parce que je savais que tu allais me faire un coup de pute. Moi, je savais qu'on allait filmer. Ah ouais, tu savais que tu allais. J'allais pas regarder la vidéo. Ah, tiens, comme c'est bizarre. D'accord, ok. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va pas se prendre la tête longtemps. J'avais vu que tu allais faire un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On te fout à poil? On te filme? Oubi, tu as un téléphone sur toi? J'ai un téléphone sur moi. Qu'est-ce qu'on fait? On te filme? On te met à poil? Parce que moi, je te mets pas en caleçon, je te mets à poil. On fait quoi? Supprime la vidéo avant que je te casse la bouche. S'il te plaît, j'ai pas envie de te frapper, j'ai pas envie de te mettre. Regarde. Mais frérot, tu veux que je te laisse avec les trois? Tu veux quoi? Je vais te parler gentiment. Écoute-moi bien, très bien ce que je vais te dire. Là, t'as vu, c'est des gentils garçons. Vraiment, c'est des gentils mecs. Il va falloir que tu me dises à qui tu as envoyé la vidéo et que tu supprimes la vidéo. Parce que sinon, si tu supprimes pas la vidéo, c'est nous on va te supprimer, frérot. Je te parle sérieux, je rigole pas avec toi. Là, tu as vu, on est gentils, on filme. Pour YouTube, c'est très bien, c'est rigolo. Si vraiment il y a un problème, la caméra, on la coupe, on te pète une dent ou deux et le téléphone, tu vas nous le donner de force. Est-ce que tu comprends là ce que je te dis? Ça va, je vais supprimer. Est-ce que tu comprends? Ça va. Là où tu étais? Là. Non, va sur le groupe WhatsApp. Tu avais un groupe WhatsApp, s'il te plaît. Prends les numéros, s'il te plaît, Nathan. Ils sont 9 dessus. Il y a 9 personnes sur le groupe. Fais un vocal sur WhatsApp. Bon, les gars, n'envoyez rien, ça s'est arrangé avec Kamoff. Les gars, écoutez-moi, je vous le dis clairement, là je suis avec votre pote. Si vous l'aimez bien un petit peu, supprimez la vidéo parce que là, on est avec lui, on a tous vos numéros, on a tous vos adresses, les gars. Parce qu'il a tout balancé, votre collègue, d'accord? Voilà. Bon, allez, vas-y, viens avec moi. Vas-y, viens, c'est bon. Ah, frérot, vas-y, s'il te plaît. Les gars, on va l'emmener dans un petit endroit sympathique et on va lui faire une sentence Kamoff. Hey, tu connais bien les sentences Kamoff, toi? Tu aimes bien les sentences Kamoff? Non. Non? Bah, tu vas y goûter. Bon, les gars, comme vous le savez, à Kamoff, on aime bien faire des sentences un peu drôles. C'est un ancien ami d'enfance, on n'y est pas allé trop fort non plus, on aurait pu faire pire que ça. Moi, j'aimais bien faire du skate et lui faisait du roller à l'époque. On a fait un petit mix, vu que ça me rappelle l'enfance, c'est pour lui rappeler qu'on était amis avant. Et dans une position pas très confortable. Pas très confortable, quoi. Donc, je vous explique ce qu'on a fait, les gars, c'est simple. On lui a scotché les jambes sur le skate. C'est des rollers à 300 balles. Donc, à un moment donné, je vais les récupérer, frérot. Ok? Ah, gros, avance! Mais frérot, vas-y, avance! Alors? Allez! Avance, frère! Qu'est-ce que t'as du mal? Il arrive. Mais qu'est-ce que t'as? Attends, arrêtez quoi? Frérot! Non, mais à peine de commencer! Bah, c'est bien, tu t'excuses, moi aussi je suis désolé, mais c'est. Ouais. Le mal est fait maintenant. Vas-y, frérot, va. Bah, frérot, je te laisse partir, je te retiens pas, moi. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais l'amour au banc, frérot? Tu fais l'amour au sol ou quoi? Qu'est-ce que tu fais, frère? C'est bon, gros? Allez, on t'aide un peu, si tu veux. Vas-y. Ouais. Attention, les. Ah, oh, allez, voilà. Bien. Allez. Oh, attends, on te pousse un peu pour t'aider, non? Eh, vas-y, rentre à la maison maintenant. Et tu vois, dans la boue, tu vois. Allez, avance. Allez, gars, s'il vous plaît, stop, j'ai mal au genou. Allez. Eh oui, c'est rigolo, je te jure.
Avance. Tu recules. Ouais, tu vas pas arriver chez toi. Là, en fait, c'est Kyle, c'est dans... il recule. Qu'est-ce qu'il... Et voilà. De toute façon, les rollers, je comptais les récupérer. Ah, 300 euros les rollers, j'ai pas comme ça. Bon, bah, allez les gars, on le laisse, rentrer. Bon, t'as pas dit de pas rentrer, tu peux. Allez, venez en style les gars. Allez. Non, laisse-le, je vais en faire un peu du roller, chaîne secondaire les gars, je vais faire un peu de roller. Allez, ciao mec. Aidez-moi s'il vous plaît. T'es aidé déjà, j'ai enlevé les rollers, c'est déjà bien. Allez, venez les gars, on s'arrache. Comment il va arriver à se l'enlever là. Les gars, il va arriver. Oh l'enculé, il est pas con. Il se prend le briquet. Les gars, venez vite, on y va, vas-y. Hop, qu'est-ce que tu fais avec le briquet? Les gars, portez-le, s'il vous plaît, aidez-moi. Double sentence, frérot. Première fois que ça m'arrive. Je t'explique ce qui va se passer maintenant. C'est que là, on va partir. D'ailleurs, tiens, on va te laisser un petit cadeau. Lui, je te le laisse volontiers. Voilà. Maintenant, je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. Et je te laisse comme ça. Dans une demi-heure, il y a des cours de danse qui vont commencer. Ils vont venir te détacher. Gros, s'il te plaît. Allons. Gros, s'il te plaît, quoi? Gros, s'il te plaît, quoi? Tu as voulu me prendre ma meuf? Tu... Sois content déjà que je te mette pas dans une plaque d'égout, frérot. Bon les gars, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier tous les frérots qui étaient là. Loubit. Non, Loubi, Loubi, s'il vous plaît, Loubi. Il y a un revenant, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Et pour cause, si vous l'avez, vous voyez pas pourquoi, parce que monsieur a ouvert son garage de moto, de réparation de moto sur Marseille. Provision, service rapide, tout ce qui est plaquettes, pneus, tout ce que vous voulez, on fait. Il a pris du temps pour ouvrir son garage et tout. Aujourd'hui, félicitations à lui parce que c'est dur d'ouvrir un truc à son nom aujourd'hui, surtout en 2024. Et il a réussi, donc franchement, bravo. Vous le verrez peut-être de temps en temps dans les vidéos, mais si vous voulez le voir vraiment, on met son Snap et son Instagram. Et si vous avez des réparations de moto à faire, n'hésitez pas à le contacter et il vous donnera peut-être un rendez-vous ou un devis, enfin pour n'importe quoi. Parenthèse, s'il y a un véhicule en panne, on fait du service à domicile aussi. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est top ça. Voilà. Ouais. Ça c'est même très bien ça. Ouais. Et on a aussi notre étalon, notre beau gosse. J'y ai droit. Notre Natouné. Parce que Natouné, vous l'avez vu plusieurs fois. C'est un bail aussi en vrai. Hein? C'est un bail. Ça faisait un bail. Je l'entends. Tu sais, moi tu m'excites toi. C'est vrai. C'est vrai qu'on est prêt comme ça. Vas-y, on sort. Les gars, rajoutez Nathan aussi. Il nous a grandement aidé sur plusieurs tournages. Et c'est vrai que regardez le gabarit. Je crois que sur son bras, c'est ma cuisse. Hein? Il n'a pas besoin de parler plusieurs fois. Il a juste besoin de dire allez, mon garçon, tu viens. On y va. Et moi, je vous dis merci pour tout ce que vous m'avez apporté depuis le début. On est aujourd'hui à 1 million d'abonnés. Et c'est grâce à vous. Et voilà, je tenais à vous remercier. Ne laissez pas votre femme avec. Ne laisse pas ta femme avec d'autres hommes, frérot. Voilà, laisse pas ta femme avec d'autres hommes parce qu'à tout moment. Il y en a, ma femme, moi, je sais, heureusement, j'ai confiance en elle, mais tu vois, il y a des gens qui peuvent avoir des arrière-pensées et c'est pas bon, c'est pas sain. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à 18h mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne principale Camoff et dimanche à 18h également sur la chaîne secondaire Camoff TV. Tous les liens sont en description. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à bientôt. Ciao.